Ces camions réalisent entre 4 et 6 rotations par jour entre Lubrizol et la zone industrielle de Rouen. Dans leur citerne, des tonnes de déchets liquides directement pompés sur le site de l'usine incendiée. Un mélange d'eau et d'hydrocarbures que l'entreprise Viam, spécialisée dans la dépollution, a collecté en urgence dès les premières heures. Nous avons fait dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'au vendredi soir plus de 85 rotations donc sur le site d'Atalys pour pouvoir libérer, c'est-à-dire ce qui représente à peu près 1300 tonnes de déchets, donc d'eau d'incendie. Une fois ramassées, ces eaux souillées dans lesquelles les pompiers ont pataugé sont réceptionnées par l'entreprise Atalys. Un échantillon est prélevé dans chaque citerne pour déterminer la nature des polluants présents dans ces déchets. Et là, typiquement, sur les déchets de Lubrizol, on retrouve en petite quantité dans les eaux incendies ce qu'ils produisent toute l'année, c'est-à-dire des additifs pour huile moteur et divers hydrocarbures. On va retrouver une pollution avec une petite quantité de soufre et également une quantité de zinc, qui sont les deux éléments prédominants dans les eaux d'extinction d'incendie de chez Lubrizol. Donc des déchets qu'on est capable, nous, de traiter avec nos outils. Ces déchets liquides, 100 à 150 tonnes par jour, subissent ensuite un traitement physico-chimique qui consiste à piéger tous les polluants de type métaux lourds qui se trouvent dans l'eau. On va faire un ensemble de traitements différents pour récupérer la partie sédiments, la partie hydrocarbures qu'on va ensuite valoriser. Et derrière, on va traiter l'eau avant de la rejeter vers la station d'épuration par différents procédés, un traitement physico-chimique, un traitement biologique, pour vraiment dépolluer les eaux qui ont été souillés par cet incendie et par les opérations de nettoyage qu'il y a actuellement sur le site de Lubrizol. Ces entreprises spécialisées estiment que le nettoyage de l'usine incendiée prendra probablement plusieurs semaines. Les odeurs dans la ville de Rouen ne risquent donc pas de s'atténuer.